Salut à tous les amis et bienvenue dans ce 8ème épisode du labyrinthe de Sordrin. Ce fabuleux labyrinthe dont je ne vois toujours pas la fin. Donc la dernière fois j'avais créé ma deuxième petite carte. Il est bientôt midi. Ouais, bientôt midi. Je pensais qu'il était midi passé. Je vais commencer à explorer la partie que je n'ai pas encore explorée. C'est le principe de l'exploration. Donc voilà, il y avait un piège comme celui-là. Et je vais éviter. Hop. Oh putain. Merde. J'ai pu sauver deux vêtements. Enfin, sauver. Sauver façon de parler. Ouais, non, ils ont quand même pris quelques dégâts. Ça va, vous voyez qu'on ne perd pas tout l'inventaire. Parce que sinon, franchement, ce serait vachement chiant. Là, il est midi passé. J'espère que je vais pas mettre trop de temps avant d'arriver au prochain, je ne sais pas moi, checkpoint ou quelque chose comme ça. Ah, d'ailleurs, ouais, c'est le piège que je vois là. Je pense que c'est ça. Je vais rentrer la carte. Putain de merde. Pourquoi j'y arrive pas? Mais j'y arrivais très bien tout à l'heure. Arceus a essayé de nager dans la lave. Petit message. Toujours sympathique. Bon, je sens que je vais avoir besoin de bouffer d'ici peu. Ah, quoique non, je viens de mourir. Night Slayer. Super. Je vais éviter de manger du coup parce que si je meurs encore une fois. Cette fois. Quand même. On évite d'abuser. On meurt pas. Pas connement en plus, pas, surtout sur un piège que j'ai déjà fait au moins une dizaine de fois. Ce serait honteux. Donc là il me semble, voilà, on va bientôt arriver sur la carte. Manger un type. Je crois qu'en tournant ici on arrive là où il y a le petit piège. Comme ça confirmera ce que je vois sur la carte. Ah ben non, du coup. C'est pas aligné. Ça c'est plus près encore. Je vais tenter tout droit. On verra bien ce qu'on trouve. Parce que là-bas on sait qu'il y a le piège. Mais je sais pas ce qu'il y a après. En fait le désavantage de se promener de jour, c'est qu'on ne voit pas la lumière émise par les... par les torches, mais ça c'est pas gênant. Oh. Petit piège fourbe, comme d'hab. Et voilà. Ok, donc tout droit, c'est mauvais. Mauvais chemin. Tant pis. Tant pis, tant pis. Très mauvais chemin. Il faudra le noter. Il faudra que je note ça en passant. Donc on est obligé de passer par le piège des... comment on appelle ça? Des petites... des petits poisons. Hein. On appelle ça le piège des poisons. Bon, moi je pensais à des flèches. Mais en fait non, c'était des poisons qui sont sortis. Ah oh, putain, il faut refaire ce piège là. Hop. Hop là. Hop. J'ai cru que mon saut allait pas être assez énergique. Un petit saut, hop. J'ai essayé d'aller le plus vite possible avant que... Parce que la dernière fois, en fait, ce qui m'avait tué, ce n'était pas le poison. Enfin, pas réellement, puisque le poison m'a tué. Mais c'est parce qu'un squelette m'y avait de nouveau poussé.
J'aurais continué mon chemin comme j'avais prévu de le faire. Mais là, je vais les tuer plus vite, les squelettes. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que le jour, on voit pas la lumière émise par les torches, mais on voit pas non plus s'il y en a en plus. Enfin, si c'est encore plus lumineux, s'il y a par exemple un petit tombeau caché comme précédemment. En fait. Et donc ça tire de partout. Est-ce qu'il y a moyen de les récupérer, ces bouteilles? Non. On va essayer de récupérer un peu de vie. 1, 2, 3, go! Mais saute pas, putain. Ça va, c'était pas du poison. Enfin. C'était des... D'ailleurs, j'ai fait le con de sauter avant, ça m'a vachement ralenti. Ma vie va se régénérer, je l'espère. Où suis-je sur la carte? Je ne sais pas. Bon, là, il y a un cadeau. Ça fait toujours plaisir. Ben là, c'est là où il y avait le piège, donc non. Je ne me ferai pas avoir deux fois. On peut essayer par là. Je vais commencer par le cadeau. Ça me semble être assez profond par là-bas. Bon, là, on ne voit pas non plus. Donc je suis hors champ, on va dire. Et je pense que je vais passer la nuit là-haut. Tout simplement parce que quand je vais descendre, les mobs vont m'attaquer. Ah merde, c'est vrai. Sais pas si ça a été rajouté, mais on entend en plus des pas un petit grincement quand je marche. Ça fait toujours ça en plus, c'est sympa. Alors, où est-ce que j'étais? Wow! Qu'est-ce que c'est que cette chose? Pas monter. Encore heureux que je ne puisse pas tomber. Alors là, c'est là d'où je viens, j'ai l'impression. C'est de là d'où je viens. Donc là, c'est. De ce côté-là, c'est là où j'ai failli aller. Ah, j'ai du mal à voir. Donc ça fait un petit chemin comme ça tourne. Et là, il y a un bout de bois dont je ne vois pas. Ah non, c'est la roche. Donc on a un petit chemin par ici. Toc. Ça tourne. Et ça me semble aller se perdre je ne sais où. Ah. Ça descend? Non, ça descend pas. Ça me semble plus bas, non? Je sais pas. Par contre, de l'autre côté, il y a quelque chose qui m'intéresse également. C'est pas sur la carte. Si, peut-être. Peut-être c'est ce gros carré gris juste au-dessus de mon point. On dirait une statue. Non? Un cimetière. C'est un cimetière avec une statue d'ange au centre. Je vais récupérer ce qu'il y a d'important dans les coffres. Non, ça je garde. Patate, pomme. Pomme, enfin, pomme oui, patate moins. Soupe je prends, mais bon. Ouais. Coquelicot. Os. Os, je prends. Flèche. M'en fous. Papier. Excellent. Sucre. Place marker. Os. Ça, on s'en fout. Je fais une canne à pêche, ça me suffit. J'ai combien? J'ai 7 papiers, putain. Plus qu'un. Ah, merde, oui. Il fait nuit. Il fait nuit maintenant et je pense que ouais d'en bas je peux pas savoir. Bon, je pourrais savoir quand est-ce qu'elle se termine, mais je ne pourrais pas savoir quand exactement. Donc je vais rester ici un petit temps. Et on se retrouve une fois la nuit terminée. Donc je suis de retour. La lune est en train de se coucher.
Le soleil est en train de se lever. Il est temps pour nous de retourner dans ce labyrinthe. Hop, hop, tourniquet. Et merde. Comme j'aimais si bien l'appeler, ceci est la tour suicide. Ben on va passer par là du coup, vu que c'est le seul endroit que j'ai. C'est pas sur la carte, mais je l'ai. Au moins ça me permet de voir vers où est la limite. Il y a un autre temple. Excellent. Pas dans notre direction, mais il y a un autre temple. Je peux pas le montrer avec le petit curseur au milieu de l'écran. Tant pis. Allez, on va essayer par là. Ça sent le piège foireux, mais bon. Non. Apparemment, non. Ok. Je crois avoir compris. Ça va retourner. Ah, on va arriver là où on était avec le... Ça va faire un tour en fait. Voilà. Voilà, voilà. Ça fait un tour. Donc ça ne nous laisse que ce chemin là. Et j'espère qu'on n'avait pas tourné quelque part. Bah si, non? Ok. Il y avait un choix de direction à faire. Enfin, il me semblait qu'il y en avait un à faire. De choix. Et apparemment non. Mais donc du coup, je vois pas où c'est qu'il faut aller. Suis-je en train de me rendre compte que ce labyrinthe... Je suis en train de me rendre compte que ce bout de labyrinthe, depuis qu'on est parti, est un cul-de-sac géant. Attendez. Je suis pas sûr... Putain, l'escalier qui fait 30 mètres de haut. Maintenant que j'y pense, je suis pas sûr d'avoir pris tout dans tous les coffres. Quel boulet que je suis. En même temps, ça me permettra d'avoir une vue panoramique. Panoramique avec poutre apparente. Hein. De la zone. Ah, vous voyez. Il me manquait des choses. Bon, ça, après, je m'en bats les couilles, mais... Au pire, voilà. Bon, j'avais pas tout pris, mais c'était de la merde. Mais bon, on n'est jamais trop prudent. Alors... Si, la genre de fontaine, elle est là. Là-bas, c'est là où on avait eu le piège de la lave. Enfin, le... Oui, voilà. Alors, on a l'épreuve de la lave, on passe. Donc, soit on prend l'épreuve des poisons, soit on prend, ce chemin-là, tout droit, avec le piège de lave, cette fois-ci. Sauf que... sauf que du coup, c'est suicidaire de passer par là. Donc c'est pas là. Mais du coup, qu'est-ce qui relie à ça? Parce que le cimetière pour y aller, il faut passer par là. Tac, 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 tac. Ouais, c'est un coin. Donc il n'y a pas d'autre issue, c'est forcément par là. Et après, il faut aller là-bas. Donc soit ça fait une grosse spirale, il faut faire un gros 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 détour. Soit je sais pas. Attendez, j'ai juste vérifié qu'il n'y avait pas un choix de direction à faire. Hop, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça revient. Ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Et ça arrive à la deuxième sortie. Non, je ne m'étais pas trompé. Mais là-bas, il y a un choix de direction à faire. Donc, on va y aller. Let's go. Allez, plus vite que ça. Il faudrait mettre des escalators dans Minecraft. Mauvais côté. Donc là-bas, avant...
Mais du coup, mes places, mes trucs pour marquer là où on est passé ne me servent à rien. Vu que je suis pas censé y aller. D'ailleurs, voilà. Donc, je continue à me promener dans ce petit labyrinthe. Par contre, s'il y a un piège, c'est vraiment casse-couille. C'est vrai que je suis pas loin, mais bon. Quand même des pièges à traverser pour venir ici. C'est pas rien. Bon, ça va, pas trop de choix. Donc voilà. C'est ici qu'est le deuxième temple. Enfin, le troisième depuis le début, mais le deuxième dans cette petite zone. Ah non, moi j'entre plus par les portes, hein. C'est mort. Putain de merde. Il me semblait aussi que j'avais bu une potion de vitesse la dernière fois. En plus, si je ne sais pas viser. Oh! C'est embêtant. Faut être le plus près possible. Ah putain, potion de vitesse s'impose. Et j'en ai pas. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas, je n'en ai pas. On va passer par la porte, tant pis. De toute façon, on n'a pas d'autre moyen d'y accéder. Non, je crois pas qu'on ait d'autre moyen d'y accéder. Potion de merde, potion de merde. Cache-toi en altitude. Peut-être que la sorcière. Mais je suis trop con. Mais je suis trop con. Mais oui, si je tombe, je me fais très mal. Retour aux choses. Ça va, ça a pas trop abîmé mon équipement. Cul-de-sac ici. Est-ce que. Oui, je vais aller chercher du papier. Je crois que c'est lui qui le vend. Merde, enculé. J'en ai que 3 sur moi, des yeux. Ah, putain. Enfin, il m'en faut 3 et. Et je n'en ai qu'un. Ah putain, tiens, prends-les d'ailleurs. Non, si. Non. J'allais dire, il peut y en avoir dans le coffre. Mais non, puisque c'était ce qui me manquait. Juste, il y en a un. Ah, il y a deux papiers, il y a deux papiers. Super! Je vais quand même poser le. La monnaie. Hop. Et je vais pas le crafter chez lui parce que j'ai. Je vais laisser le papier quand même. Toute façon, on n'a pas d'autre endroit pour l'instant comme maison. Donc, je le fais. Enfin, je laisse tout dans ce village. Après, au pire, en partant, je viendrai récupérer ce que j'ai laissé. C'est quoi qui fait ce bruit? Ah, mais c'est les golems. Les golems. C'est les golems. Alors, cette carte. J'y vois un poil mieux. Putain. Les journées passent tellement vite. Alors, du coup, je retourne là où j'étais. Mange-toi. Tant pis pour le gigot. Allez. On va essayer d'aller plus vite. Ah putain, les pièges. Vous me ralentissez, merde. Ouh là 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 là, j'ai eu peur de partir en arrière, j'ai sauté, j'ai cru que j'allais retomber devant. Pire quand je suis là, la première fois que j'ai fait ce piège, je pense que j'aurais pu m'en sortir. En fait, oh putain. Peut-être que j'aurais pu m'en sortir la première fois que j'avais fait ce piège et que j'étais retombé sur la petite pierre d'en dessous. Peut-être pas, mais peut-être que si. Donc le piège masochiste. J'ai entendu du feu. Oui! Excellent.
Est-ce que c'est le même bouton qui fait... Ah zut, c'est pas le même. S'il faut que ça va tout faire péter. Oula. Bug. Sortez-moi de là. Ah merde. Je suis en train de... Oui. Qu'est-ce que je peux utiliser? Je ne peux rien faire. Je peux même pas manger. Même pas à appuyer sur le bouton peut-être. Je sais pas si ça fonctionne. Avec les boutons en pierre, je crois que ça fonctionne pas. Ah putain de bouton de merde. Je reprends. Je vais quitter la partie pour revenir en espérant que je ne sois pas toujours bloqué dans ce bloc. À tout à l'heure. Petit souci. Je suis toujours dans ce putain de bloc. Ça c'est embêtant en fait. C'est très très embêtant. Oh non. Y a pas moyen de faire une petite commande. Je suis pas sûr. What? Carrément pas les commandes quoi. Ah si. Sache kill. Merde. Oh non, j'ai pas le droit. Putain. Mais du coup, je suis bloqué. Ah. Non, 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 non. Je ne peux pas finir comme ça. C'est horrible. Ah, mais du coup, si un mob vient et qui me tape, peut-être que je peux sortir de là. You, je suis là. Venez, venez. Ils ont pas l'air intéressés par moi, putain. En plus, c'est vachement chiant parce que c'est pas comme si j'étais bloqué sans que ce soit gênant. Là, c'est très très gênant. Ça a l'air de se rapprocher, mais c'est dessus, je crois. En dessous. Tapez-moi dans le dessous du coup. Je peux même pas faire. Là, ça grouille, mais soit c'est en dessous, dans la doublure du mur, soit c'est dessus. Dans les deux cas, ça ne peut pas m'aider. Parce qu'en plus, s'ils restent au-dessus de moi, ils vont pas descendre comme ça. Ah putain de merde! Ah. Je sais pas, je peux essayer de jeter un item, je sais pas. Ça ne fait rien. Je suis bloqué dans la matrice. La matrice de ce bloc de pierre moisie. Je peux même pas reculer au fur et à mesure. Non, c'est abusé. C'est abusé ce petit bug. Force, régénération, guérison. Ça augmente juste les dégâts d'attaque, ça. Si je mange ça. Ah, merde, j'ai cru que c'était... En fait, non, c'était juste un petit bug. Oui, tue-moi. Je peux même pas la manger. J'ai cru à quelque chose de... Vas-y, tuez-moi, tuez-moi! Yes! Bon, du coup, c'est la nuit. Mais au moins, je suis sorti de ce trou!
Enfin! Bon. Sur ce, ça m'aura pris pas mal de temps sur l'épisode. Je m'en excuse. Du coup, je pense que je vais quand même terminer l'épisode sur ça. Malheureusement. Mais au moins, je sais qu'il y a un temple. Je sais pas où. Je sais que c'est tout droit. Et après, il faut retourner plusieurs fois. Mais j'entendrai des mobs et du feu. En fait, c'est quand on entend du feu. Sur ce, je vais prendre quelques carottes pour essayer de vous faire de l'animation. Pour essayer de faire reproduire ces petits cochons. Écoutez. Manger. Vous voulez pas de mes carottes? Vous n'en voulez pas? Bande de bâtards. Allez, sur cette déception, mange ma carotte. Sur cette déception, je vous laisse et on se retrouve dans le prochain épisode. Allez, bise, à plus!